Elle est talentueuse, elle est dynamique, c'est elle, Madeleine Poulain. Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors Madeleine, tu es en apprentissage ici, en boulangerie à l'INBP. Tu as un parcours assez exceptionnel parce que tu as eu ton bac ES haut la main. Oui, bac ES mention très bien. Et pourquoi tu as décidé après de te lancer dans la boulangerie ? Je voulais faire la boulangerie déjà avant de passer mon bac économique et social. Mais je voulais quand même faire un bac pour avoir un bagage. On ne sait jamais ce qui peut arriver et j'ai appris plein de choses qui me seront nécessaires dans mon avenir. D'accord. Alors, ici, tu es en apprentissage, donc c'est un an la boulangerie. Vers quel métier tu te destines ? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais faire après ? Moi, en fait, après mon CAP boulangerie, j'aimerais faire le CAP pâtisserie afin d'ouvrir un jour ma boulangerie-pâtisserie. D'accord. Tu veux être donc chef d'entreprise ? Chef d'entreprise, oui. C'est complémentaire pour toi, la boulangerie et la pâtisserie ? Oui, oui. C'est deux métiers différents, mais ça se rejoint et à mon avis, il faut faire les deux. Qu'est-ce qui te plaît ? Les deux m'intéressent. Qu'est-ce qui te plaît justement dans l'apprentissage ? Dans l'apprentissage, c'est le fait d'apprendre à la fois à l'école, à la fois chez le patron. On apprend des choses différentes, mais qui se complètent. Et je trouve que c'est un moyen d'apprendre beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressant que la théorie. Le métier de boulanger, c'est un métier difficile. Oui. Et puis c'est un métier quand même assez masculin, non ? Tout à fait. Mais il y a de plus en plus de femmes en boulangerie. Ça reste quand même une très faible part par rapport aux hommes, mais on est de plus en plus. Là, par exemple, dans ta classe, il y a combien de garçons pour combien de filles ? Là, il y a 9 garçons pour 2 filles. Donc, il faut du tempérament. Oui, mais on en a. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est bien, on n'est pas du genre à se laisser abattre. On ne se laisse pas abattre. Bon, tu as bien raison. Si tu avais un conseil à donner pour ceux, par exemple, qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans l'apprentissage, dans la boulangerie, mais qui ont peur. Je leur dirais de ne pas hésiter parce qu'il ne faut pas avoir peur. C'est un métier magnifique, la boulangerie, et même les autres métiers en apprentissage, bien sûr. Et l'apprentissage, c'est génial. C'est super intéressant et on y trouve notre passion. Voilà, l'apprentissage, c'est génial. C'est super intéressant, c'est passionnant. Merci beaucoup, Madeleine. De rien. Merci.